Ça reste à voir. Ça va se savoir. Bonsoir. Bam, badada. Voilà. Et du coup, tu la connais, ouais. Tu la connais cette émission-là. Ouais. Nous avons Iki et Borman. Nous avons deux joueurs, un top tiers et un pas top tiers. Est-ce que ce match-là va aboutir à une victoire d'un top tiers ou non? Nous le verrons là maintenant. Ça va se savoir. Bonsoir après la pub. Ah là là. Bref, bon, moi je vais aller au revoir. Alors, en tout cas, merci celle de passer. Bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Les premiers pourcentages gagnés par Powerman. Là, pas peur, les ouvertures, 63% déjà en 15 secondes. Ah, ça, c'est pas mal. Le snap de dedans, on le connaît tous. Et la première touche qui a déjà été prise. Qui a déjà été prise en 20 secondes. On va voir comment Iki va se débrouiller là maintenant. 20 secondes. Oubliez pas qu'il n'y a rien qui a été décidé, c'est en BO5. Les deux joueurs ont le temps de s'adapter. BO pour sortir la situation très très bien de la part d'Iki. Ah, la première stock de Parma qui a été très très clean. Elle a été très très clean, elle a été très rapide. Très rapide, précis, par le safety. Franchement, bravo, pas mal. Là, ça met une stock entière, vraiment des avantages du côté d'Iki. Iki, encore une fois, offstage. On va voir comment il va se débrouiller maintenant. Là, il est bien sorti. Là, il est bien sorti du let's trap. On va voir le plus fort. Ok, là dans le trop. Là c'est parti pour le juggle. Bien joué à peu près, va être bien joué. Là c'est Zeta qui est off-stage. Malheureusement, Iki n'a pas concrétisé. Ok. Encore une fois off-stage. Une deuxième chance pour Iki. On va voir comment ça se déroule. Okay. Dans le tige a été trouvé. Dans le tige a été trouvé, donc ça va les frappes. Dommage de la part de Iki qui a pas su concrétiser. Tranquille, tu vas bien. Là ça se cherche, on voulait la peine en tos. Ah bah oui, mais on va avancer la braquette. Hein. Le braquette, pardon. Dommage de la part de Powerman, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Apparemment, ça a été prévu que ce soit équipé Powerman en stream pour l'instant. Et là, ils sont déjà bien trouvé la part. Ils sont déjà en train de jouer. Tos et lapin, ils sont déjà en train de jouer. Ouais, ils sont déjà en train de jouer. Dommage pour Iki, il a encore perdu une stock. Bêtement, encore une fois. Vraiment là, une situation de quasi 3 stocks pour Powerman, là, donc très très, une avance assez confortable. Après, il n'y a rien qui est fini, mais de toute façon, vu que c'est en BO5, on va voir c'est qui aura trouvé les réponses pour le prochain match. Ok, le backer, non. Malheureusement, encore, la stock n'est pas prise. On a vu la recovery. Le smash, je pense qu'il a fait un smash pour Powerman, pas sûr. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Là c'est parti pour du juggle de Lucina, malheureusement il a rien concrétisé, dommage pour lui, il aurait pu prendre au moins une stock et essayer de remonter un petit peu, mais là c'est vraiment dommage, là, la Powerman est à 133%. Vraiment, ça c'est vraiment le... Une guy pas très bonne, le FT qui a trouvé, on le strap. Bien joué à Powerman, 1-0 pour lui même, le joueur de Zelda. Ça c'est vraiment... Un match à oublier quoi, c'est vraiment un match à oublier donc... C'est un match avec beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses à part de Iki. Ouais. De Raven, pardon. Powerman, il a très bien joué au ledge. Il a eu le contrôle du début jusqu'à la fin quoi, donc il a vraiment le contrôle du début jusqu'à la fin, c'est vraiment dommage d'avoir pas... Ça a vraiment été une domination au niveau du ledge, donc on va voir pour le prochain match comment ça va se dérouler. Comment ça se passe le bracket? J'ai perdu... Comprends-moi la Max. J'avais moyen, mais j'ai commit la game sur un forward smash de Dracofeu. Alors que j'avais la finish tout de suite, il avait mis son FD. Ah, dommage. Roublard, mesdames et messieurs, Roublard. C'est Roublard qui est. Top player belge. Espérons-le. C'est reparti de nouveau sur le field. Changement de skin, peut-être que mentalement ça peut changer quelque chose. Mais personnellement, dans ce match-up, je pense pas que Battlefield soit la bonne réponse de la part de Iki. Ouais. Ouais. Sachant que c'est le meilleur stage de Zelda. Ça c'est clair aussi. Et que Iki n'arrive pas trop à profiter des plateformes pour bien juggle. Là pour l'instant, dans le match précédent, il a vraiment pas eu d'occasion de bien juggle. Il a pas eu un avantage assez puissant, on va dire. Contrairement à Powerman, que lui, il le catch tout le temps, il le catch partout. Le fantôme qui arrive. Toutes les recoveries ont été catch. Aïe. Il va falloir se ressaisir, monsieur Iki. Là pour l'instant, c'est une domination de. Non, ok. Voilà, j'avais encore son doigt, il avait tout le nécessaire. Ça va encore. Il est bien revenu, on va dire. Oh non, ça c'est un commit, ça. Ouais, non, il s'est mis dans le point tout seul. Dommage. Il s'est mis en désavantage tout seul. Ça devient très très compliqué là.
la tentative de Tech Chase qui est mal passée encore une fois. Malheureusement. Encore une fois, OLED, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'être OLED, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée contre Powerman et encore plus contre Zelda. Ah ouais, surtout que. Parce qu'il y a voilà, tout, il y a tout, voilà. Il y a tout qui est couvert. Quoi. Là, le LED strap, il est déjà fait. Le LED strap, il est. Il est déjà préparé, c'est un sandwich préparé pour aller à l'école, ça. C'est déjà fait. C'est voilà. Il est parti au McDo, il a commandé un strap et il arrive en deux secondes. Exactement. Okay, ah, bien tenté de Trump, malheureusement. C'est ce... Ah non, je pense pas qu'on t'appelle, c'est pas toi qu'on t'appelle. Bref, on va continuer. Je pense que t'as un jumeau maléfique en fait. Bah, je pensais que c'était moi de base, mais allez-y. Bah, y a plusieurs jugements d'un seul génie. Allez hop. Du coup, voilà, enfin une stock qui a été trouvée de la part de Raven. Il y avait un petit moment d'endroit de la part d'Iki qui a été perdu avec le Faradir de Zelda. Non, non, il n'est pas mort du B-Up. Ça, c'est une très très bonne DI de la part de Iki. Mais une prochaine tuera. Une prochaine tuera à 100%. Dommage de faire qu'il n'y a pas de connect en 6 spots, ça aurait totalement fini la stock et la game. Oh, bien vu. On a trouvé la gueule d'attaque de la part d'Iki. Là, la Powerman il cherche à tuer. Malheureusement, il est en train de bourrer un petit peu ses options pour essayer de trouver du kill. Oh, et la dash attack qui a été trouvée qui a fini la. Il va falloir faire un meilleur choix de stage. 2-0, vraiment... 2-0 pour Powerman. Oh, pardon. Pas de soucis. 2-0 pour Powerman. On va voir si Iki va encore retourner sur Battlefield. C'est le cas, malheureusement. Même pour moi, il dit même pas. Mais non. Powerman, on va pas. On va le tirer les oreilles. Hein. On va le tirer les oreilles. On voit pas, mais. Mais derrière son masque. Dégage. Il a un gros sourire. Hein. Enfoiré, bah, il me vante sur Dokkan. Parce qu'à ce qui paraît, il a eu deux Goku LR face. Ceux qui s'y connaissent, voilà, il a eu le nouveau Goku voilà. Autre fois. Mais, exactement. Mais ça ne nous regarde pas. Mais ça ne nous regarde pas. Je l'attends à la sortie. Ça. Du coup, on l'attend à la sortie. On l'attend à la sortie. Mais voilà, donc repartir sur le Battlefield, et comme on a dit, c'est vraiment pas le meilleur match, choix. Malheureusement, Iki, il a eu beaucoup d'ouverture, mais il n'a pas concrétisé ni en jeu gueule, ni en avantage. Donc malheureusement... C'est en avance pour Powerman, okay. De pas beaucoup. La Powerman il est OLED. On va voir comment Iki va se débrouiller. Ah, dommage. Il est encore OLED. On va voir comment Iki va bien concrétiser ici maintenant. Non. Vas-y. Ça a l'air d'être un peu plus carré là. Il commence à être un petit c'est plus carré. Clean. C'est plus clean dans ce moment, c'est plus clean dans ce qu'il fait. Dans ce... Non, là par contre, je suis pas d'accord. Ça se voit qu'il a eu des réponses pendant le set. Parce que là, franchement, ce troisième match, il commence bien pour lui. Ok, bien vu la reco, bien vu la reco. Là ça stat, ça cherche, ça shield beaucoup, ça cherche des ouvertures tranquillement. Ok, bien vu la reco. 2-0. 2-0 pour Powerman. Powerman. Power Armand. Oh, Armand. Aïe. Est-ce qu'il a encore son jump? Ouais, il a encore son jump, ok. Non, la stock qui a été trouvée la part de Powerman encore une fois avec ce ledge trap magnifique de Zelda. Ok, le nerf. Il y avait le pari sur le side B. Ok, oh, le deframe. Et le nerf qui a été trouvé. On arrive à 0% de stock des deux côtés. On remet les pendules à l'heure, on est reparti. Il faut qu'il sorte un peu plus en termes d'edge guard parce que là, franchement, le fait qu'il reste. Toujours au LED, c'est pas forcément une bonne chose contre Zelda. Il laisse beaucoup trop d'ouverture. Ouais, il laisse vraiment trop d'ouverture. Là. Ok. Là, c'est bien trouvé. Là, c'est bien trouvé, celle-ci. Il ne sera pas nouveau. Voilà, oh, le kill a été trouvé. Non, je vais le dire. En tout cas, bien revenu de la part du kill. Là ça devient très compliqué, la tentative est frappée, voilà, le petit bout de smash qui le met dans une situation de la dernière stock, de la probable dernière stock du dernière set. Stock. Enfin, impossible, dernière stock de tout le set. De tout le set, c'est ça. Ok, le backer justement qui le met dans une situation de désavantage de nouveau, peut-être le deuxième ici, non, rater le deuxième.
Ok, neutralité. Ça vous le chope le shield. Malheureusement, Ikki, là, son problème en strap, c'est que il est trop revenir. Il est vraiment trop revenir. C'est ça, son principal souci. Et en Let's Guard, dans le set. Pourtant, c'est un bon perso pour Let's Guard. Et Let's Guard, ouais, c'est ça. C'est un perso pour Let's Guard, pour Juggle. Et pourtant, il n'a pas profité de force de ce perso. Encore une fois, dash arrière, ça a été le temps à pouvoir mal de revenir. Ouais. Donc, on va mettre ça en tout cas. Ouais, c'est le frame. Ok, peut-être trouver l'opportunité de relancer le match en prenant cette seconde stock. Non, toujours pas. Ok, le fer qui a été trouvé. Voilà, peut-être comme je disais. C'est peut-être un combat de la part de Ikki. C'est ça. Espérons pour lui. Exactement, peut-être un petit combat de la part de Ikki. Dommage, non, pas du tout. Non, c'est pas encore fini. Ok, c'est pas fini. Ok, bien. Mais un plus de jump. Ok. Je strappe la part de Powerman encore une fois. Il reste encore au LED. Ok. Retour le track. Non, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. 3-0 pour Powerman. Bien joué à lui. Malheureusement, Ikki n'a pas trouvé les réponses qu'il fallait. Enfin, il a trouvé, mais un peu tard. Donc, on verra pour une prochaine fois. Hein. Dommage, Ikki, c'est très très dommage.